La police a continué à marcher sous fiel gang 400 Marouzo. Hier encore là, yo ken bon gros grain poisson, gros coup de filet fait. Retetan, bral bo toute information sous identité individu si là que la police DCPJ mette main nan pat kasavlia. L'autre information importante encore, il est bui que gagné directeur douane Romel Bell que ambassade américaine t'a censé couper visal pour trafic d'âme à corruption. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nous prenons voter plus de détails pour vous dans un petit moment. Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. Vous sur TAC 509, tout haïtien connecté, ou dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. C'est toujours un plaisir pour nous croiser, pour nous parler pays, pour nous faire débat, pour nous décortiquer ensemble de décisions que l'autorité prend, pour nous peser le pour et le contre par rapport avec situation à vivre en dedans pays. Parce que voyons nous là, faut nous parler, faut qu'on connaisse l'information et faut qu'on comprenne tout qui côté pour camper par rapport avec passivité, par rapport avec inaction qui gagne dans camp autorité concernée, dans camp autorité l'État. Ma profite de un grand merci à chaque ami qui répond présent, qui dit Yannick, projet a, m'a monté à bord, initiative pour faire 2029 et mais qu'à venir là, yo répond pour yo participer avec maman yo pour yo pote ti sourire. M'a rappelé nous à seulement $25 US ou bien 2500 gold ou même qui voulait aider ou même qui voulait contribuer pour dimanche ça pour nous faire 100 maman belle pour dimanche ça pour nous pote ti ki choy pour moun yo pour nous faire sourire. C'est occasion pas quoi rete seulement une semaine et demie là. En semaine et demie, donc, ou même qui voulait participer, numéro a pas changé. Numéro a c'est 3896 3819. Relais écrit. Parce que jusqu'à maintenant, là, il y a 36 enveloppes clés. 36 enveloppes clés qui paraît pour 36 mamans. Et me dit, nos objectifs là, c'est arriver minimum 100 mamans. Estime qu'à faire plus, n'a fait plus. Mais pour ça réussir, pour ça possible, c'est contribution, c'est participation. Donc, il y a des gens qui promettent, je m'attends nous. Et ou même qui voulait venir participer, qui voulait porter support, relèm écrit dans le numéro émission. Donc, au compte principe là déjà, partagez vidéo, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Et si vous faites tomber ce channel là, pourquoi abonner mes amis, rapide, vite, abonnez, activez la cloche notification, comme ça, après, t'es connecté net. Chaque vidéo que vous postez, vous êtes le premier monde qui recevra la notification, et puis là, vous avez une pré-information, vous comprenez tout le bagaille, clair coup de l'ocoque, qui a passé en dedans pays. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Depuis hier, sous toute toile là, sous toute réseau en net, son seule information qui a circulé comme quoi DG douane, directeur général douane Romel Bell, ambassade américaine, immigration américaine t'a pris décision pour couper visal pour qui cause, pour qui raison, parce que yo t'a estimé li nan trafic zam, li t'a nan blanchiment l'argent. Maintenant question m'a posé nous, est-ce que ça étonne pour nous t'attendre directeur douane en Haïti, dans trafic d'armes, directeur douane en Haïti, dans corruption. Est-ce que ça t'a surpris, nous, t'a étonné, t'a saisi, pour t'en donner information comme ça? Gros bagage, je dis, nous pral faire, nous pral mettre point sous i. Sous tout petit i, nous pral mettre point pour comprendre dans qui circonstances nous vivons là, dans le moment où nous parlons là, avec question insécurité en Haïti. Question nèg ka fè trafic zam, question nèg autorité qui gen responsabilité pour protéger territoire, pour protéger rentrée sortie ka fè en dedans pays. Mais pourtant c'est même nèg sa yo qui gen complicité, qui nan connivence, qui nan kokode avec gang, avec moun ka vann bandi zam en dedans pays. Romel Bell monté nan tête douane nan en 2018. Donc, sous présidence Jovenel Moïse, yo fait remaniement, yo changé moun nan administration publique là et puis Romel Bell li vin directeur général des douanes. Et là on a parlé de directeur général des douanes, c'est pas un simple citoyen, OK? C'est pas un simple individu qui fait partie de l'administration publique là.
Ça a son autorité dans son monde de confiance pour prendre, pour mettre dans tête douane. Parce que douane, c'est lui-même qui va le permettre de contrôler l'intégrité territoire. C'est à travers douane, on va le contrôler, ça qui va rentrer en dedans pays ou ça qui va sortir en dedans pays ou. Donc, si c'est pas un monde de confiance, si c'est pas un monde qui est loyal, si c'est pas un monde qui a une moralité, donc nous foutu, nous prenons en haut, nous pas qu'on qui danse, n'a pas dansé. Donc, c'est exactement ça qui a fait là en dedans pays. Bon, petit détail. On parle de douane. Là, on a parlé de douane, ouais, c'est autorité. Ouais, ces autorités sont institutions qui sous tutelle ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Sont autorités de tutelle et ou gagne ministère de l'Intérieur ou gagne ministre de l'Intérieur là qui coiffe toute douane, toute port, tout aéroport, toute rentrée, toute sortie en dedans pays. Mais gros pratique en Haïti. Nous connaît depuis le PHTK a monté sous pouvoir, depuis régime Matéli a installé question douane en dedans paysa, c'est groupe bandi légal yo qui contrôle l. C'est groupe Matéli yo qui contrôle l. C'est ancienne première dame non, Sophia Matéli qui ont contrôle poussé au contrôle exclusif au contrôle total de douane en dedans paysa. Donc c'est pas sans raison, tout récemment là nous tant d'informations et rendez-les à ce petit rapport côté que chaque mois bon 3 millions de dollars y a bail Michel Matéli, y a payé parce que directeur douane d'ailleurs avant tout remettre au directeur douane faut bon l'argent pour bail chaque mois. Et comme si son poste yo mettre au travail pour yo, ou bail l'argent ou payer yo. Ou nous avons trouvé une situation par rapport avec scandale ça qui éclaté sous DG sous directeur douane Romel Bel. Ou nous ou pral poser cette question, est-ce que réellement, est-ce que tout bon, nous avons un pays, nous avons un premier ministre qui a contrôle ministériel, qui a contrôle institution de tutelle? Parce que, en nous clair, nous passons plusieurs directeurs douane, puisque Romel Bel, c'est ce Jovenel Moïse et Yometel, en nous garder qui quantité scandale qui impliquait douane en dedans paysa. Qui quantité scandale qui impliquait que ce soit Paul Lafito, douane Saint-Marc, cargaison zam nèg yo a saisi conteneur zam nèg yo a saisi. Et là parle de DG douane dans trafic zam. C'est pas un petit bagage, c'est pas un bagage pour nous prendre à la légère parce que DG c'est lui même qui contrôle tout port, tout aéroport sous tout étendue du territoire là. Tout côté qu'on est port marchandise qui rentre, c'est Romel Bel qui contrôle tout bagage ça. Mais dites-toi tout en seconde, si Romel Bel t'a ba autorisation pour pas fouiller conteneur. Si Romel Bel après douane nan fin fermé, yo ta vini yo ouvert pour yo faire conteneur débarquer pour yo aller avec conteneur. Est-ce que nous ouais qui quantité zam qui t'a gagné dans pays de manière illégale? Qui quantité munition qui t'a gagné dans pays de manière illégale? Et dernier rapport Nations Unies sorti sous arme illégale dedans pays hein, yo estimé d'ici fin année Haïti a bon total de 500 000 armes illégales là-dedans parce que dans moment n'a parlé à là effectif là yo élevé yo chiffré dans les 225 000 armes illégales. Donc là ou déjà une idée qui est moun qui groupe moun qui a fait armes rentrer dedans pays hein? Et on parle de ministère intérieur mes amis, on parle au ministère qui contrôle au ministère qui gagne responsabilité pour le faire renseignement. Yo gen l'argent là, yo gen portefeuille là, yo gen l'argent, yo gen caisse même pour renseignement. Ou parle de même ministère ça qui doit contrôler qui individu louche qui moun qui gen dossier sou yo kap rentre kap sorti en dedans pays en sous même ministère intérieur ça yo, sous même moun ça qui en charge de sécurité territoire là. Ou tant de mercenaires rentrer ou assassiner un président. Donc là, li déjà pas li pas un problème pour t'attendre directeur douane dans question trafic d'armes, li pas un problème pour t'attendre directeur douane dans corruption parce que c'est ça qui plus facile, c'est ça qui plus easy. Et moi même t'ai attendre depuis le scandale t'ai éclaté rapport t'ai sorti, chaque mois y a payé Matéli, y a payé Sophia Matéli 3 millions de dollars américains et cap sorti dans douane. Non, t'ai attendre une enquête. Et ça, c'est m'a toujours dit, nous avons un commissaire du gouvernement dans le Port-au-Prince, Jacques Lafontaine qui toujours a prouvé Colm, Bacon,
frapper l'estomac comme si la prégler un bagage. Il pas prégler une merde dans tête paquet là. Li pas prégler en merde dans tête paquet Port-au-Prince parce que ou vin senti le du commissaire du gouvernement, c'est agent de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire là, li là vraiment, li là la fait c'est choul. C'est choul exécutif là, c'est choul nèg ça qui contrôle le pouvoir exécutif là la fait parce que au plus senti, li là la veille nèg qui vole poule, nèg qui vole bœuf, nèg qui vole cabrit au lieu réellement li mette focus sur nèg qui fait trafic zam, sur nèg qui fait corruption, sur nèg qui vole en dedans pays en tout bon. C'est pas dim dil pa gen droit veille nèg qui vole cabrit, qui vole bœuf, non, pas dit ça. Tout volé, c'est volé. Mais jodi an la, ou vin senti que travail commissaire du gouvernement la fait son travail de partialité, son travail la fait non ti goup pour satisfaire ti goup moun. Li pa fait travail, li pa fait travail communauté en vraiment, li pa fait travail yo mette pou le faire. Travail la justice mette pou le faire, li pa fait vraiment. Kounye an nou comprenne ki enjeu ki gen la. Est-ce que réellement, parce que jusqu'à date, pour qu'on ait notre officiel qui sortit par le côté ambassade américaine, et pas attendre que l'ambassade américaine n'y prenne sorti notre, bonjour. Récemment, là, on entendait qu'il y a un scandale dans le ministère intérieur avec Liz Kittel. Côté au coupé visa, et Kittel a demandé visa pour lui, pour madame, etc. Il n'y a pas de visa. Ou t'as des scandales qui d'où il y a été coupé visa Evans Paul. Il y a coupé visa plusieurs autres officiels en dedans pays. Est-ce qu'on aime dire que l'ambassade américaine sorti notre? Non. Puisque information ça c'est des sources pour rien, c'est moun pour rien soit au niveau ministère là qui t'est là les demandes là t'a pas le fait, soit au niveau ambassade américaine qui pour certifier oui mais ça que t'es fait, mais ça que t'es fait, etc. Donc sinon comme j'aime nèg ça yo, yo pas j'aime sortir notre officiel pour yo dou voilà. À moins que yo procéder avec arrestation Romel Bell, à moins que yo procéder avec révocation ou bien t'a démissionné, autrement ça c'est Radzal qui l'avait en famille. C'est l'instal, c'est information qui traitait même gou volé, même gou gang yo, même bandi légal yo. Son bagay konsalye. Donc là qui sont de comprendre, qui position on prend par rapport avec information ça. Même don bagay qui clair. Jodi an la, nous arrivons dans une situation côté que nous tout t'attendait à parler de une base qui est le base Galil. Et au dou base Galil ça c'est comme si c'est même base bandi légal là. Nèg qui gen pouvoir, nèg qui ceci, nèg qui c'est là en dedans pays, ancien autorité, nouveau autorité, c'est eux même qui fait partie de base Galil là. Mais nous t'attendait tout récemment te gagné et différents agents de renseignement au niveau ministère intérieur. Yo arrêté. Qui sont dans des comme information, qui sont dans des qui tel dit, qui tel dou depuis le monté, li pa jambe kon nèg sa yo en dedans ministère de l'intérieur. Alors que c'est ministre de l'intérieur ou vinyon ou entre non poste ou entre non savane ou pas rencontrer agent yo, ou pas rencontrer employé yo, ou pas rencontrer fonctionnaire yo, c'est seulement rentrer dans poste. Ça va pas comprendre que nèg yo prend l'état, yo prend boîte l'état yo pour savane qui tel monté. Li pa fait en journée porte ouverte, en journée de reconnaissance avec fonctionnaire yo, avec employé yo, pour li yon ti connaissance. M'pa mande ou al chita al boire café avec monsieur dame yo et al siroté. Ou prend m'pa mande ou al fait kokota cigare avec yo, mais au moins faut gon idée de personnel qui travaille dedans ministère là, faut gon idée de agent yo. Donc ou vin wè là que nèg yo ki ministre, sa secrétaire d'état. Yo pa gon merde a régler vraiment de l'institution yo. Yo pa gon merde a régler sinon que jouit de statut ministre yo, sinon que jouit de privilège poste lan ba yo. Mais après ça, ou senti que le gon zinc pété, le gon scandale qui pété ministre lan qui responsable de tout moun kap travay sou l'ordre li, oui. Li presque couru pour le pa kon moun sa yo. Donc le ou nèg sa fait partie de base Galil. Le ou nèg sa travaille pour Tilapli. Le nèg sa travaille pour Chrisla. Nèg sa travaille pour Izo, son antenne, la fait kidnapping, etc. Son bral de bral dit c'est pas vrai. Faut jouer ta cherche pour ta dit c'est pas vrai. Puisqu'on pa kon rien de moun yo. Ou pa kon rien de moun yo. Donc là, monsieur dame vle nous comprendre très clairement. Si effectivement, immigration américaine a décidé de couper visa Romel Bell. Nous pas prendre ça pour une sanction. Nous pas prendre ça pour une sanction puisque on connaît visa lui-même ba un visa, ça c'est comment dirais-je? Ça c'est en courtoisie.
Ça, son courtoisie, il n'y a pas de sanction, retire visa en aigle, il n'y a pas de sanction. Maintenant, on y a, est-ce que là, autorité nous, vraiment, yo pral fait travail? Parce que, si toute information yo vérifié, toute information yo concordé, effectivement, yo retire visa ou mel bel, parce que l'État nan trafic d'am, l'État nan blanchi l'argent, l'État nan corruption. Maintenant, ah oui! Maintenant, c'est qui réaction commissaire du gouvernement juridictionnel la pral gagner? C'est qui réaction autorité la justice pral gagner par rapport avec individu ça? Est-ce que nous pral tenter États-Unis qui t'a vinn mandé pour le divoyer là parce que soit le kon fait trafic d'am avec 400 maozo, soit le kon fait trafic d'am avec Izo, soit le kon fait trafic d'am avec Tilapli, soit le nan Genève, soit le nan GPEP, etc. Est-ce que nous prenons le chita, nous gardons, nous faisons genou, nous cherchons, nous dit pour nous tendre ces deux heures pour venir régler le problème là kay nous. Parce que c'est ça, moi, autorité haïtienne, yo attendent ces États-Unis pour venir prendre criminel, pour y juger, à le condamner. Mais après une fois, on va poser tête sur question pour yo, ouais. Est-ce que même pays ça yo ka vinn dey soi-disant repris de justice yo ka vinn dey condamné yo ka vinn dey inculpé yo est-ce que yo même tout yo pas contribuer nan mete insécurité en dedans pays yo puisque en amont depuis en l'air mes amis depuis en l'air de grâce si États-Unis te vraiment nèg yo te vle contrôler zam ki a rentré en Haïti yo t'a contrôlé le t'a contrôlé le parce que côté zam yo passé côté zam sorti États-Unis non conteneur mais est-ce que pas bon contrôle qui fait les amis le moun yo pral bay cargaison yo pour venir en Haïti donc ça veut dire ou voulez faire me comprendre là tout ça qui rentre en Haïti son savon yo pas fouillé yo pas fait rien donc c'est sorti l'a sorti pas de problème ah donc donc c'est ça lié on fait constat ça on fait constat ça en République Dominicaine ouais l'homme on a rentré par un domaine yo fouillé yo fouye machine, cherche pour yo wè sou papote moun illégal, cherche pour wè sou papote zam, etc. etc. Mais l'op sorti, et pas business, non? L'op sorti, m'gè impression te mette sorti avec un bon pays ya, ou mette, ou leve un bon pays ya, ou leve zam, mette dans machine ou pour entrer à Haïti là. Yo pas breeding. Maintenant, il reste aux policiers haïtiens qui ont fait checkpoint sur yo pour yo camper, pour yo questionner, pour yo fouiller machine, pour yo voir est-ce qu'on pas venir avec bagay ki wong, est-ce qu'on pas venir avec bagay illégal. Mais pour yo, yo pas fait aucun contrôle. Non? Yo pas fait aucun contrôle. Donc là, leur dit nous que zam a rentré en dedans pays de manière illégale. Leur dou que directeur douane nan question li gen information qui a circulé, li gen accusation comme on fait trafic zam sous dol. Donc là mes amis, bagay yo pas jouette. Bagay yo pas jouette. Nous prend moi j'ai l'impression que nèg yo pran haïtien pour savon, yo ka fait ça yo vle jan hôpital. Yo pas prend la vie moun pour parce que accepter ou gen responsabilité pour veiller pour zam illégal par rentrer pour marchandises contrebande par rentrer et pour pral wè c'est ou même qui pral ba autorisation qui pral ba aval pour qui ça parce que sous conteneur par exemple qui gen zam qui évalué à $500,000 américains $600,000 américains là-dedans ou gen 20% ou gen 30% bien c'est ta conteneur donc là mes amis on nous sérieux nous tenons les bagailles au fin empiré, nous tenons les toutes bagailles fin gâté, on paye fin pourri. Moi même, m'pas passer voice, m'pas passer audio bandi gang 400 maozo dans l'émission. Même tendez yo, moi tendez yo, puisque gang vite l'homme nan et PNH yo campé en face yo, monsieur policier yo y a tapé bandi yo, etc. Ou bien dans une situation côté que nèg vite l'homme yon bon, nèg 400 maozo yon l'autre bon, yon dou yon pral faire représailles sou moun benye, yon pral faire représailles sou moun timoulin, yon pral faire représailles sou moun outre, yon pral faire représailles sou moun tosel, yon pral faire représailles sou moun Pétionville pendant un mois flat yon pral camper en haut, pas monter en bas, pas descendre. Imaginons quelques secondes, nous ta gagné, nous trouvons dans une situation côté que toute autorité ferme mes oreilles, ferme mes yeux, parole pas attendre. Ou ça va privé, c'est pas seulement massacre qui a gagné, c'est pas seulement massacre qui a gagné dans zone ça. Et depuis semaine, depuis jeudi passé, moun peigné c'est en moi y a prélé, moun peigné, ou k'ap gade dans vidéo là, ou k'ap gade dans image là, moun yo ti grand moun yo obligé prend bout de sac, moun yo obligé prend bokit, moun yo obligé prend valise, maré, quitter la caillou.
Et moi, m'a dit nous ça, 5 ans de cela, peigné était paisible, l'autre dit on nous était peigné, yo nous koto. Comment faire arrêter dans tout perdre ça? Dans pays perdre ça, etc. Parce que c'est saleté, peigné c'est saleté, on zone qui isolée, on zone qui calme. Et m'a caché dit nous ça, ouais, dans moment ça, un paquet de amis dans diaspora qui prend coup. Parce que un paquet de amis dans diaspora, moi même connais qui gè caillou qui acheter terre yo. Qui fait construire, qui quitte responsabilité pour une famille, aux amis construit pour yo, et puis Kaisa, yo ba moun rete la dedans. Eh bien, je dis en là, le bandit, le vite l'homme mette moun yo dehors, Kaisa yo risque perdre. Yo risque perdre parce que pour pas venir dans la gang après Kaisa, bandit après Kaisa. Non seulement y'a PL, mais Kaisa y'a vin assurer que yo rete la dedans, yo quand même vendre tout. Si PNH a pas continué consolider travail, qu'a fait effort, qu'a fait, pour yo démanteler nèg yo, pour yo stopper bandit ça yo. Et après mission m'te fin fait hier là côté que gagner nous connaît par rapport avec et travail PNH a fait gè moun qui apprécier fort là gè moun tout gros paquet moun qui a plein gros paquet moun qui a plein pour qui ça parce que dou et gè comme si gè tellement gè dommage collatéraux dans mitan yo par rapport avec et opération qui mené yo donc moun yo dou en pile fois en pile moun dans population victime et yo victime. Mais yo tou vin fè yo passer pour bandi. Pour qui ça? Comment yo explique m bagay la? Tant que par exemple l'on est PNH pral mener opération. De pou policier yo nan la ri. De pou opération le temps, mais de pou Magali devant dans opération, on chablen de rele Magali m gen pression de 400 maozo sa yo. Depuis yo Magali tout nèg replié, tout nèg couri parce que chasa li pa nan rans avec garçon. Koun ya ki sa krive? Moun yo fè m comprendre que depuis PNH dans la rue ou loué bay zone là ou même qui dans population civile là sous 40 la ka ou cachon côté fait parce que automatiquement yo croisé avant dans la rue yon, policier yo vinn gon sentiment que yo en danger. Yo en danger parce que nèg la mette pied la tête vinn combattre bandi. Nèg la mette pied la tête vinn combattre gang, vinn combattre délinquant. Donc par rapport avec tout si jeune, tout monde censé dans gang. On ti jeune ka vin rencontre bab pou bab avec opération la police a mené et puis sont entendu al tombe le victime li passe parmi la foule parce que nan moment c'est pas nan moment pour moun nan la rue donc c'est comme ça moun explique une situation donc en pile moun tombe nan contexte en pile moun victime nan mitan population soit parce que yo te rencontre né à bouche avec opération que t'a mené soit parce que yo te nan mauvais moment nan mauvais l'heure donc faut moun yo moi-même, c'est vrai, m'applaudis tout effort qui a fait par mon côté PNH. C'est ainsi, nous avons motivé, nous avons mobilisé. Faut que stoppe bandi, faut que baye population souffre, on répit par rapport avec exaction que nèg 400 maozo, que nèg vite l'homme a fait. Mais, depuis gagné tout, exaction qu'a fait sous population civile, là, parce que policiers ont estimé que, yo tellement en danger, yo tellement peur par rapport avec yo pa konn ki est sou yo, pa ka identifier rapide pendant que yo nan opération et puis moun nan mitan population civile la tombe de manière innocente, faut que nous dénoncer yo tout. Parce que nous là n'a supporter tout travail positif PNH a fait, oui, n'a supporter yo, mais tout si gen tie corps qui fait pas bon côté policier yo, pas bon côté policier qui nan opération, qui nan mission yo, nous obligé dénoncer yo tout. Nous obligés de dénoncer parce que nous travaillons pour la population, nous travaillons tout pour nous encourager PNH. Vous comprenez? Ça, moi, je vais tout profiter de DG Francel Bell parce que, ouais, pendant que l'opération de Niche Bandi de Bléa a fait là, et un focus qui mettait sous Vite l'homme, un focus qui mettait sous 400 maozo, mais faut que nous pas oublier un paquet de l'autre gang tout qui actif, qui opérationnel. Hier, je vais suivre DG en l'étape de l'entrevue. Avec Scoop FM, DGA t'a raconté que elle t'a parlé. Là, yo motivé, yo mobilisé, faut yo réduit insécurité, faut yo réduit phénomène kidnapping, phénomène criminalité qui est dans le pays. Yo annoncé, ok, pas de problème, yo pral attaquer et mortissant, yo pral attaquer village. Ok, ça, moi-même, c'est quoi? C'est des plans stratégiques pour faire les gens qu'on n'a pas oublié loi privée sur eux. Parce que loi privée sur un bandit, je ne comprends pas l'annonce de bandit à loi privée sur lui. Ça, c'est une. Deuxième bagaille, tout. Deuxième bagaille, pendant tout focus PNH, li en bas, li dans la commune Petionville, là, par rapport avec gang 400 maozo, avec Vite l'homme, kap bay moun ben yé problème. Eh bien, monsieur Genoff continue à frapper. Genoff a frappé.
Yo continue à détourner camion, yo continue à détourner marchandises. C'est pas seulement ça, menti sans bandit yo frappé. Yo fouillé moun, yo kidnappé bus, yo kidnappé machine moun. Yo continue et nous wè vidéo, mais yo habillé avec uniforme la police sou, yo comme si de rien n'était, mine de rien dans la rien, yo rien zoreken yo. Donc nous tout nous konn réalité nan vivre en Haïti. Hier soir pour lever matin là, dans port de paix, bandit détourne un bus avec un paquet moun, yo kidnappé moun yo dans bus sans yal avec moun yo. Donc là, nous obligés mettre vigilance là, nous passer à vitesse supérieure là. Non seulement nous obligés prudent, nous obligés vigilant, mais tout nous obligés travailler de concert avec autorité policière yo. Moins de formation nous gagne, nous obligés ba yo. Gen moun kon di ah sou ouais dans zone autorité un gros paquet et bail qui qu'on a fait za criminel faut réformer la police oui? Et dit c'est pas réformer même bataille informer la police mais nous pas compte qui policier qui vrai policier ou pas compte qui policier qui dans gang ou pas compte qui policier qui travaille à bandi et ça son triste réalité son triste réalité son j'aime ça dit nous dans commencement émission hier PNH li pour l'autre gros requin dans gang Gatsamaozo. Eh bien, nous prenons posément un gars, m'a retourné après pour m'avoir toute information, pour m'avoir identité, m'avoir tout détail yo dans votre marite. Nous avons deux produits à yo, qui sont des outils et des bâtons. Yo chaque demi dans trois phases, trois étapes, trois dosages. Yo chaque c'est pour un mois d'utilisation pour faire un traitement de 90 jours chaque. Dans des outils, c'est un pommade qui est fait à partir de 8 produits naturels. Il peut décalcifier le corps carveneux, tissu spongieux pénislin pour augmenter l'élasticité tissueux des membres. Il a pour optimiser la santé générale. Il est composé à partir de graisses blanches médicinales. Et but ultime, c'est faire l'organisme produit en pile hormone testostérone qui pral barou, ça y est, libido. Il pral fait sang en plus fluide pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme pour qu'elle joigne une érection plus ferme. Pour plus d'informations, relevez dans 514-886-9776. www.zestofmoringa.com. Nous retournons après pause. Nous retournons après pause, Moringa. Bon, combien de nous là qui prend un produit, un outil, un bon? Nous avons passé comment nous? Faut nous faire parce que moi-même, je ne veux pas problème familial, je ne veux pas avoir problème de couple. Et d'ailleurs, produits accessibles, produits pas chers, yo a prix qui abordable, acheter, relayer, monter sur website là. Ou bien, si vous trouvez trop de travail pour relayer Yannick, écrit dans le numéro émission 3896 3819, bon, toute information besoin, prends produit en la PDO. Ok? Pas du pas de connaître. Maintenant, m'annoncez nous. PNH continue à travailler, il continue à mobiliser. Parce que l'opération dénicher bandit de blé, là, moi, je tellement remé non ça. Oui, il y a raison, je dis là, il y a raison pour nous motiver PNH, il y a raison pour nous accompagner le travail positif qu'a fait dans la police. Parce que bandit, il n'y a pas notre problème. Bandit, il crée trop. Il fait trop de monde crier. Il fait trop de monde crier. Il voit trop de monde en battre. Et en pile, il faut trouver une situation côté que. Ou gagne des policiers qui là qui en dedans dans institution PNH qui gagne responsabilité qui gagne comme mission protéger et servir aux populations mon pral vinn rendre compte que et policiers ça eux même yo comme si yo pa tête sur leur priorité yo pa tête sur leur priorité parce que gang yo affilié là dans là c'est gang ça qui a terrorisé population nèg en pile dans policiers on regarde par exemple gagne des séries de policiers qui dans zone chaud qui travaille dans zone chaud. On pose cette question, comment policier a, comment le faire rester dans zone chaud ça pour le travail alors que ou connaît par exemple tes petit conteneur douyo là dans rentrée douyo là petit conteneur nous connaît zone douyo son zone qui chaud. On toujours à poser cette question, comment policier ça yo fait fonctionner dans petite antenne de police? Est-ce que policier ça yo c'est policier qui loyal? Est-ce que policier ça yo respecte travail yo gen? Est-ce que policier ça yo droit yo pas dans confio loi gang etc? Parce que depuis policier a travail nou zone chaud li toujours sujet pour nan kokoday pour nan connivence avec bandi avec gang. Ah bien on nous garde photo ça ou individu ça information qui rejoint moi li ta rele Mackinson policier ça son policier 25e promotion.
Taille petit quoi des bouquets, Timon qui grandit quoi des bouquets. Et d'ailleurs, qui côté de travail dans la commune quoi des bouquets de travail. Il travaille dans la commune quoi des bouquets. Et, m'a caché dit non. Et ça me dit là, côté policier, non, zone policier arrêté en son zone côté que mon chef gang qui a dirigé zone là. Mon chef gang de qui est Siliman. Siliman qui a dirigé une zone qui est dans le raisin, c'est la police arrêté. Maintenant, quand il y a policier par rapport avec côté le rete, chef gang a dirigé, par rapport côté la travail dans quoi des bouquets, 400 marozo a dirigé. Donc, c'est comme si policier a voulu faire mon comprendre, il a voulu faire mon croire que le pas un choix. Pas un choix. Donc, c'est parce qu'on pas un choix qu'il faut rentrer dans gang 400 marozo, qu'il faut son membre actif gang 400 marozo, qui fait ou te baïte pour mission pendant que PNH, police nationale a formé, yo bo toute formation, ou kon man exam, ou kon démonte exam, ou kon nettoie exam, ou baïte pour mission pour al formé gang 400 marozo, ou baïte pour comme mission pour al apprendre neg yo man exam, pour al apprendre neg yo tire, pour al apprendre neg yo nettoie exam, pour al apprendre neg yo démonte exam, et qui pise ou son membre actif gang nan, ou nan kidnapping, ou nan fè antenne, ou nan détourné camion, et pour pral dim ou son policier qui gon mission, ou son policier qui te pour engagement dans institution, protéger servir en population, protéger vie moun, protéger bien moun, n'a détourné bagay moun, n'a volé bagay moun, n'a touye moun, n'a fait viol, n'a fait toute exaction sous population. Donc je dis à l'autre de DCPJ pour Mackinson, est-ce que c'est pas fait pour faire? L'autre de yon pour un gros poisson comme ça, qui lui même a baye information sur opération la police. Et a fait un pile opération, nous kon nou e police et PNH, nous kon nou e l'armée accompagne la police, al fait. Nan fief 400 marozo, opération sa ou toujours avorté ou bien toujours tande policiers tombe. Donc je dis la l'opre police Mackinson. N'y a impression, yon pèse vous le gagne en pile ou en bazar. Nous kon pour qui raison parce que. L'irresponsable en pile frère d'âme mouri. L'irresponsable en pile frère d'âme tombé. Et vous paquet d'inspecteurs dans les 400 marozo touye. Vous paquet nèg, vous paquet policier 400 marozo exécuté. Ou ap dit tout, est-ce que c'est pas soupçon que nèg sa yo te gagne sous relation Mackinson gen avec gang 400 marozo qui fait jodi an là? Policier sa yo parle de yo c'est au passé qui fait 400 marozo exécuté moun sa yo touye moun sa yo. Donc tout ça la donne. Tout ça la donne. Imaginons, nèg la travail, bon soje sol. Donc, ou même qui allez dans soje sol, ça, ou soje font petit prêt, ou soje bon petit cob, etc. Ou est-ce qui mise avec Mackinson? Ou est-ce qui ka ou? Longtemps là, l'on met ton antenne sous. L'on met ton antenne sous. Yon le vo, yon à la vo, ou bien yon vo et ti ou yon prend cob lan. Donc, mais, nan ki logique, nan vive avec un paquet de policiers ripou, avec un paquet de policiers. Malfaiteur corrompu qui en dedans institution la police. Donc je dis là, le m'a pas l'eau passé mec doit fait en dedans PNH, c'est pas blague. C'est pas blague. Et en pile fois, l'eau est tête de l'eau sale. Yo kon dou tête de l'eau sale, c'est pas forcément toute l'eau sale, de boire tête de l'eau sale, c'est toute l'eau sale. C'est toute l'eau sale. On green tomate qui pourrit la pourrit tout ton panier. On grine qui pourrit la pourri tout ton panier. Donc je dis alors par contre combien le policier Mackinson recruté à le mettre dans 400 marozo. Ou pas connait. Donc là, est-ce que nous même nous pas gain responsabilité pour nous dénoncer nèg sa ou là nous joindre information yo. C'est toute responsabilité nous ça. Pour informer ou et ou doit comprendre que je dis là, ou doit comprendre travail en journaliste c'est pas un travail qui facile hein. C'est pas un travail qui est facile. Parce que l'information, ça a eu des gens qui ont payé l'argent pour ne pas prendre dehors. Parce que ce n'est pas information qui a besoin de tout le monde pour le bas. Ce n'est pas information qui a besoin de la République qui a besoin de véhiculer, les médias qui a besoin de véhiculer. Parce que, en pile dans l'exil, en pile policier, en pile autorité, ils ont même eu une très bonne relation avec les médias traditionnels. Ils ont une très bonne relation avec l'autorité. Donc, vous pensez que l'information, ça va prendre la rue comme ça? Donc je dis là moun kwa les bouquets gon répit par rapport avec Mackinson par rapport avec un policier tout moun fò confiance le mon policier dans la rue une sentiment sécurité une sentiment protégé c'est ça le doyen parce que policier li là pour le protéger policier là li là pour le servir mais
Nous venons rentrer dans la logique ces derniers temps là. Là, mon policier, plus envie courir. Plus envie courir. Ou un uniforme policier sous net qui fait kidnapping. Ou tant de policiers à lien de l'institution l'a touché chaque mois. L'a dit quatre l'a crié au papier. L'a crié le passé, c'est le passé là. Policier, ça a gros gang. Policier, ça a gros bandit. Qu'on y a, là, un policier pas plus envie courir. Gros paquet de policiers qu'on peut capter ni image institution. Ça a nous clair sous lit. Nous clair sur lui. Donc jodi an la nous avons une bataille qui fait de manière continue pour laver, pour lever scop figi PNH, pour laver image institution en façon. En façon, le ta nous bon policier qui nan gang. Faut ta battre bouche deux fois pour dire ah, m'pa fin quoi bagay ça. Vous comprenez? Parce que n'a bon institution qui valable, n'a des monde qui valable dans l'institution. Et m'pense là, doit bon l'autre bagay pour nèg repenser dans la police. Parce que moi André Sol te fait ancien DG, la police, Mario André Sol, il a fait changer uniforme PNH. Parce que tellement de uniforme la police qui était dans kidnapping, nèg a fait kidnapping, nèg a braqué moun, il a fait changer uniforme la police. Il a fait numéroter, etc. Il a fait paquet de retouches, il a fait changement. Je dis en là, est-ce que pas une nécessité pour changer uniforme la police? Est-ce que pas une nécessité pour ça? Parce que vous regardez, mais ça m'a dit non, oui. Ça m'a dit non, oui. Même ministre intérieur, ça encore. C'est lui-même qui joue dans toute bagaille, plaque officielle qui n'a kidnapping, uniforme la police qui n'a kidnapping. Oui? C'est même unité, c'est même entité ça qui est responsable de bagaille. L'autre de PNH, il pral faire, il y a mettre uniforme dans la rue, etc. C'est responsabilité ministère de l'intérieur pour prendre ça en charge, pour qu'on ait comment uniforme à faire sortir, pour yon baye PNH en uniforme, qui côté uniforme pral fait, etc. Qui est-ce qui pral responsable pour faire uniforme? Yon tout bagay ça, c'est rôle, c'est responsabilité ministre de l'Intérieur. Mais l'autre doit parler de Kitel, on Kitel récemment là, bon Dieu papa, ou t'as des nôles, t'es dans baye kidnapping. Est-ce qu'on a dit Kitel pour aller changer uniforme la police? Est-ce qu'on prend la responsabilité pour nous demander Kitel pendant là pour yo faire changement dans uniforme la police? Est-ce que c'est pas tout en boîte uniforme nous pral voye bay gang? Nous pral bay 400 maroze en boîte. On pral bay ISO en boîte, si la pli en boîte, G9 en boîte, GP en boîte uniforme. Donc on voye bay yon pile oui. Toujours on vire la République gen problème oui. Toujours on vire la République gen problème. Kidnapping nan de gwen nou. Autorité nan kidnapping. Bandi a zam ap tou yo. Autorité nan vanzam ou nan grand groupe yo détourner comme programme alimentaire yo ou pa ka travay nèg yo gen chèk zombi a bay. Est-ce qu'on a ki problème nou gen? Toujours virer la République son problème, toujours virer en Haïti son problème, et pays a pa ka rete comme ça, pays a pa ka rete comme ça. Et m'bra di nou dernier bagay là, m'bra di nou en 86 moun yo te dou yo pa vle wè pi mal. En 86 régime dictatorial, moun ap disparèt, etc., etc. Ma coute nan de gwen nou moun yo dou, ça a été dernier ligne là. Yo pa espéré pi mal pour Haïti. En 91, 90, 91, massacre Aristide. Moun yo dou yo pa espéré pire pour Haïti. En 2004, ou prend gwen nan bouda rat paraka. Kidnapping, violence, moun yo dou yo pa espéré pire pour Haïti. Jodi an men kote nou ye. Et yon dou yon pa espéré pire pour Haïti. Donc de 86 à jodi an la, tout étape sa yon pa espéré pire. Yon pa espéré pire. Et bien jodi an la, faut nous admettre, on a touché le fond. On a touché le fond. Nous on était bon. Te bon autorité que te di pays pour aller de bim en bim vers la bim final. Gale ça? Non, impossible, hein? Impossible. Parce que là, nous arrivons, on a touché le fond. On a touché le fond. Et pas tant que c'est le, nous finir, nous finir noyer pour nous prendre pousser tête. Nous prendre monter sous l'eau, l'autre, pour nous mettre tête nous dehors. Là, espoir toujours. Espoir toujours, parce que à chaque fois, nous identifions autorité qui a fait malversation. À chaque fois, nous identifions autorité qui n'a gang, qui n'a kidnapping, qui gen confio l'eau, qui gen concorde avec bandit, c'est occasion pour la justice traquer yo, c'est occasion pour la justice sanctionner ou punir yo. Donc là, ballon en pied nous comme citoyen. Ah oui, ballon en pied nous, parce que l'on j'en information ça yo, ou gon seul travail pour faire. C'est partager information yo, la République tout entière pour courant, et le sa nèg pas caché. Pas bon côté nèg ap ka caché quoi yo. Nous comprenons. Donc, m'a rappelé nos projets à pour une dernière fois là, parce que y a des gens qui font monter là en bas live là. Et
Avec 25 $ US ou bien 2500 goud, objectif là c'est 29 mai 2022 qui vient là pour fête des mères en Haïti, river fêter avec 100 maman. 100 femmes, 100 maman, 100 femmes courage, 100 femmes jam. Côté que autorité l'état ou pas prend responsabilité yo délaissé yo lagué moun yo comme si yo presque lagué population haïtienne avec un cuir nan men yo pou yo mande dégoudin pou yo mande ba yo ti pe quotidien nous même n'a pensé pour moun yo n'a pensé pour yo parce que c'est triste ou ka lever matin ou même on gen possibilité pour manger un pain pour tantine un petit pain parce un petit beurre un petit mambane un petit pain un petit café un petit chocolat bois gen l'autre moun yo dormi grand goût, yo levé grand goût. Malgré yo dormi grand goût, yo levé grand goût, yo pensé à demain après demain qui ça yo ka joine. Et pas mande bon Dieu moun nan c'est maman. Li pas manger, l'a souffri, il fini konkri mais l'a pensé pour petite. Donc jodi an la m ka comprendre situation yo et situation économique pile moun, li pa répond yo. Mais avec so gen yo ka supporter, ou ka supporter maman. Bienvenue. Ou ka supporte 10, bienvenue. Ou ka supporte 5, bienvenue. Parce que nous-mêmes, c'est ensemble pour nous faire ça, nous faire ça. C'est ensemble pour nous contribuer. Moi-même seul, je suis capable. Et déjà, moi-même, c'est chaque grand ami qui répond présent. Nous continuons l'initiative jusqu'à ce que l'atterri. Donc, numéro 1, c'est 3896, 3819, Rele, écrit Yannick pour dire comment participer avec lui. Et donc là. Mark and Love Guerrier pral venir avec Espace International là. On aurait été connecté pour cette programmation. Toujours avec même contentement que nous retrouvons aujourd'hui. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans rubrique Espace International là. Tant que nous connaissons, nous toujours présentons nos actualités internationales, ça qui a dominé et questions internationales là, surtout pour qu'on connaît en matière géopolitique qui Jean Bagayou a passé. Et bataille qui gagne entre la Russie et l'Ukraine, li toujours a continué. Et bagaille ça a li ban pile inquiétude. Nous arrivons au moment côté que gen pile moun ka pose tête question qui jan bagaille ça a fini. Est-ce que la Russie a gagné? Est-ce que l'Occident lui-même a bay vague? Nous pas connaît jusqu'à maintenant nous pouvons répondre ça avec question ça. Ces amours Makin Love Glorienzier qui est ensemble avec aujourd'hui à nous pral vinn parler ou des stations spatiales internationales qui c'est un système qui là lui-même pour permettre que capable gérer question satellite dans mode là que Vladimir Poutine et avec plusieurs gros autorités russes menacées pour eux-mêmes yo ta va attaquer si toutefois et l'Occident eux-mêmes yo pa bay vague ensemble avec et manipulation que a fait surtout par rapport à plusieurs sanctions économiques qui ont été prises contre la Russie qui menacent globalement lui-même les capables de sortir espace international là station espace international là dans zone IA donc pour faire l'arrivée sous terre plus rapidement que possible ça c'est une stratégie que Occident eux-mêmes yo parlé de intimidation mais ils l'ont considéré par rapport à dernier action qui a fait là haut pour que la et la Suède ensemble avec Finlande même genre que nous t'ai parlé dans dernière vidéo et a fait tentative pour capable rejoindre l'OTAN que la Russie lui-même lui fait connaître clairement toute tentative pour pays ça capable rejoindre l'OTAN c'est peut-être occasion pour bail pour capable gagner une troisième guerre généralisée qui pourrait venir permettre que et conflit à lui-même lui vienne pi mal li capable vinn pi loge pour permettre que capable vinn sorti ensemble avec une bataille globale qui capable vinn catastrophique pour tout le monde là. C'est pas ça vraiment la Russie voulait mais tout simplement li voulait respect, li voulait que pour capable respecter traité qui était signé dans le passé, même j'ai tout l'Occident, yo même yo gagne stratégie pa yo, yo gagne off pa yo qui vinn. Et si vraiment la Russie attaquer si, station spatiale internationale là, comment ça qu'arrivé? Et qui côté et qui a frappé plus par rapport à attaque ça et puis surtout ça que nous t'aimer connaît qui ça qui a passé si la Russie lui-même lui fait tomber station spatiale internationale ça l'ISS c'est lui-même lui trouvé 400 km altitude environ sous tête nous et li c'est plus grand vaisseau spatial qui construit dans monde là il mesure environ 109 mètres donc ça veut dire et avec capacité qu'il gagne pour capable porter et panneau solaire qu'il gagne et li gagne en longueur un terrain football donc nous capable imaginer nous et li gagne volume tant coup et
yon kay ki gen 5 chanm. Sa e se par rapport a quantité et volume que l'ISS li même li gen, li ka kenbe entre 15 astronautes si ça nécessaire. Donc li te créé par 15 nations donc qui te mette tête yon ensemble pour permettre que yo te capable créer station spatiale internationale là qui gen 5 agences spatiales et qui te mette tête ensemble pour permettre que yo te capable créer plus gros station spatiale ça pour capable résoudre le problème qui lien ça avec question satellite yo. Mais différentes nations t'ai participé surtout dans lancement Dimitri par rapport à dernière tentative qui fait sous face à la Russie Dimitri Rogozin qui c'est directeur général Roscosmos qui c'est une station spatiale russe lui-même il fait plusieurs posts sur Twitter côté il fait connait si vous bloquez coopération avec nous qui est-ce qui pourra le sauver ISIS de un choc incontrôlé qui capable tomber sous États-Unis ou Europe donc sanblier 500 tonnes qui capable tomber en aide et en Chine ça c'est question que Dimitri lui-même lui posé par rapport à toutes sanctions qui apprend qui opposé ensemble avec la Russie et lui-même lui fait connait vraiment ce qui est lui mettait en questionnement modèle d'utilisation ou bien fonctionnement système spatial international là qui peut être capable venir présenter un problème si toutefois la Russie lui-même il a appuyé sur est-ce que la Russie lui-même est capable de détourner ISIS? C'est ça en pile mon a posé comme question. Surtout pour t'avoir transformé ISIS là en véritable piège mortel et il a posé peut-être une question sur ça, mais scientifique a prouvé clairement oui, il est capable de faire ça. D'ailleurs, menace ça lui-même, il pas trop exagéré et que on bombe par exemple, parce que il y a une bombe qui a fait plus de dégâts que lui. Mais oui, la Russie lui-même, il a fait sans coopération ça avec l'autre cosmonaute qui gagnait à bord station qui est actuellement. Donc pas gain modification et actuellement yo ka fait là sans autorisation Roscosmos qui c'est une agence spatiale russe d'ailleurs c'est lui même qui li yo fait un pile investissement dans agence spatiale internationale là donc surtout qui favoriser ajustement et pour permettre que li gen deux vaisseaux d'approvisionnement russe qui automatisé qui capable approvisionner système spatial international là et ça montre que importance que Roscosmos gagne dans question ça. Donc sans ça l'ISS lui-même il t'a pas abandonné pour compte parler et station 1 et ak tout cosmonaute yo tap risqué côté que yo rentré en collision ensemble avec un pile débris qui capable gagner la planète là et puis il ka manipuler tout pour diriger côté où voulait aller donc c'est une raison qui fait que la Russie lui-même li gen men mise sous question ça et mais Russie surtout yo pas trop vle gen des monde qui a posé cette question le fait que la Russie yo gen russe qui présent dans système international spatial international là donc ça était capable de poser un problème pour permettre que li mette russe palio en danger mais là nous considérer en novembre 2021 ça qui était passé côté que la Russie lui-même était essayé tester un missile anti satellite qui lui-même l'était créé déjà sous une propre satellite Palio ça montre nous qui ça et qui niveau ampleur conflit à lui-même est capable de gagner et qui niveau de mesure que Vladimir Poutine est prêt que lui-même est capable d'engager pour permettre que lui capable de défendre l'intérêt par lui sur le système international là. Donc ça qui était menacé après attaque après et c'est ça que la Russie lui-même l'était fait en novembre 2021 ça t'a menacé tout membre équipage ISIS là qui était obligé par eux pour faire face avec un pile débris après explosion satellite où ça lui-même l'était fait donc les bagailles éclaté donc c'est lumière qui capable gagner dans celle-là ça veut dire nous ca penser li belle son belle bagaille qui a passé mais comme ça tout li ca et si ici ça détourner et pour arriver sous terre li capable gagner impact sous monde en pile monde capable mourir ici ça lui même li passer sous espace et
aérienne qui lié ensemble avec l'Inde, la Chine, les États-Unis avec une grand partie en Europe. Donc ça montre nous géopolitiquement conflit qui gagne actuellement hein, comment les États et la Russie lui-même est capable manipuler cela pour permettre que et il y a le fait lui tomber directement en Europe, spécialement dans un pays et côté l'OTAN lui-même les présents qui gain manipulation côté qui a porté aide ou support ensemble avec Ukraine. Donc capable gagner par rapport à et si toutefois tu avais une attaque sous IS et qui c'est système spatial international là et capable gagner et en pile impact dans plusieurs parties dans globe là. Donc la Russie lui-même li pas trop gain pour l'inquiéter li par rapport à dommage ça parce que lui-même li paraît bien longtemps côté que lui-même était fait en pile préparation pour ça. Donc station lui-même li fabriqué avec matériaux qui robuste en pile et qui durable tant que titane qui dense en pile et puis qui gain et Kevlar avec acier de haute qualité et qui vient permettre que et station lui-même les répond ensemble avec et tout impact qu'il était capable gagner dans espace spatial là. Mais surtout ça qui capable et qui pose problème c'est que malgré toute et capacité ça que le système dans lui-même les gagne pendant que lui-même l'a gagne pour faire entrer dans l'atmosphère là chaleur lui-même est capable briser. Donc c'est pendant temps ça et débris eux-mêmes ils apparaissent tant que des paillettes qui empilent lumière là dans les qui a franchi venir sous sol là. S'il brise en plusieurs morceaux, il risque vraiment pour permettre que et capable gagner plusieurs impacts yo assez large mais yo pas vraiment et dense, yo pas faire trop impact. Ça veut dire et il brise chaque côté il tombe, il va faire des impacts mineurs mais tout simplement et il pas faire trop victime que ça. Mais si toutefois et yo attaque et par rapport à et système ça lui-même li vinn fait li tombe un seul côté ou ka imagine nous en ville tankou Los Angeles tankou Londres ou bien tankou Hong Kong qui ka frappé donc l'a quitté yon cratère qui gen à peu près de 1300 mètres de large avec 470 mètres de profondeur donc ou ka imagine ou capacité et quantité bagaille qui capable passer dans une simple explosion côté que lui-même lui a vraiment mortel et tout le monde qui alentour et zone impact là lui-même lui fait là a mouri il y a boule grave et pas boule diféa qui a tombé là. Donc et puis impact là lui-même tout lui a créé un tremblement de terre même côté là qui pral gagner et en pile impact surtout ensemble avec une magnitude de 6. Donc et une attaque pareille capable de causer des dizaines de milliers de morts et des millions de personnes et qui capable gravement blesser et déplacer. Donc si tout ça yo fait ça a nuit non seulement relation qui gagne entre plusieurs agences spatiales dans monde là mais également et ça a nuit toute relation qui gagne en termes de diplomatique entre pays. Faut que nous songer surtout et système ça a l'étendue d'un bombe nucléaire et qui a fait un pile dégâts si toutefois la Russie t'a va utiliser comme un recours pour faire face ensemble avec pression occident. Nous pas arriver là, nous pas souhaiter ça, mais vraiment nous même n'a suivre tout ça qui a passé parce que dans défendre intérêt ou pas jamais connait qui côté les hommes qui arrivent. Donc n'a rester vigilant et puis un bon rendez-vous l'autre fois encore. Merci parce que nous t'ai accepté de cette zone moment qu'il nous voulons direct là avec nous, bon rendez-vous l'autre fois encore pour l'autre rubrique. Bye bye, à la prochaine. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les nantis, mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel Paula, pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle et pays, nous bras le débat.